Bienvenue à Lafayette, au cœur du pays cajun. Dans les cuisines de Justin, impossible d'échapper à l'héritage culturel de la région, comme avec ses œufs pochés. C'est fait avec du boudin et du gumbo. Ce sont deux des ingrédients les plus importants de la cuisine cajun. Le gumbo, ce ragoût hérité des Acadiens et adapté avec des épices de Louisiane, est l'un des ingrédients de base de Justin. Après s'être formé en Europe et dans d'autres villes américaines, il a décidé de rentrer au pays pour retrouver ses racines culinaires. Ma mère était très bonne cuisinière, sa mère également. Tout cela a fait que très jeune, j'ai su apprécier la bonne nourriture. Quand j'ai quitté Lafayette, j'ai vite compris qu'il y avait des endroits où on ne mangeait pas aussi bien qu'ici. J'ai aussi découvert de bonnes choses, mais la cuisine relevée et bien préparée de la Louisiane me manquait. Les enfants en raffolent. C'est excellent au petit déjeuner. Le fameux boudin de Louisiane, cette saucisse de riz et de porc, est l'autre pilier de la cuisine régionale. Elle fait d'ailleurs partie de la plupart des recettes dans le restaurant de Justin. Mais pour découvrir l'essence de la nourriture cajun, il faut s'aventurer sur les routes de campagne, dans des établissements modestes comme celui-ci. L'endroit est très prisé des connaisseurs. Au menu, gésier, foie de volaille et bien sûr des écrevisses à l'étouffée. Les spécialités y sont toutes consommées au quotidien. Ça se vend toujours super bien, surtout le week-end, quand les gens se réunissent autour d'un petit barbecue. Sinon, certains en mangent aussi pour la pause déjeuner à midi. Une cuisine simple qui inspire Justin derrière ses fourneaux. En jeu, la sauvegarde de l'identité régionale. Nous n'oublions pas notre cuisine et nous ne cherchons pas de saveurs plus intéressantes ailleurs. Nous utilisons ce que nous connaissons bien et nous faisons évoluer nos recettes. Et pour sacrifier à la tradition rien de mieux que de manger dans sa voiture, les meilleurs restaurants cajuns ne servent qu'à emporter.